Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec on le. On est là, les amis. Avec le docteur, regarde quoi là? Bah, je regarde Rennes Lyon et tu vas être content. Bah, tu veux... Oh là là, c'est fini. On fait les étonnés, mais on a regardé le match depuis tout à l'heure. 3-2, mon ami, 3-2 pour Rennes. Doublé de Martin Terrier, le coach. Ça va ou quoi le dob? Tu me demandes pas ce que je fais moi? Je regarde des vidéos d'animaux qui font des trucs de fou. Ok. Là, on part direction Paris, le Parc des Princes, pour aller regarder le match. PSG-Marseille, le classico. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à Valouze et son contact avec... Avec Brian de Sorare, le frérot sur Chiqui Brrr. Évidemment, ceux qui veulent le lien d'affiliation de Valouze en description. Si, je le mets. Sérieux? Mais du coup, bah, attends, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Avec qui nous vole pas notre... Non, c'est bon, c'est bon. Je sais que c'est la guerre en ce moment avec les stations essence, mais... Bah là, ça fait une demi-heure qu'on y est, quoi. Ouais. Tout ça pour dire que du coup, on va voir le match PSG-OM au Parc des Princes. Donc, c'est la première fois que j'y vais de toute ma vie. Moi, j'ai déjà été voir une fois un match du Parc des Princes. C'était PSG contre 3. Autant te dire que c'est pas la même ambiance. C'était pas la même ambiance. En plus, il faisait trop froid il y a peut-être 5 ans. Mais du coup, on a beau être pro Lillois pour Valouze, pro Lyonnais pour Dobby, pro Rennais pour moi. Moi, je suis pro Nantes. Allez, Nantes. Et on joue à qui là-bas? Michou. Michou, pas sûr. Ah oui. Il pronostique non. Michou nous a dit oui. Il pronostique non parce qu'on n'a pas de réponse depuis 2 jours. Merde. Et Inox, par contre, il nous a répondu ce matin. Lui, okay. Il est chaud. Okay. Du coup, voilà. Et Lucas. Et Lucas. Lucas qui, lui, pour le coup, est pro Parigo. Ouais, un peu trop Parigo. Oui, oui. On est dans les loges. Ouais, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Valouze est beau gosse. On n'a jamais Valouze comme ça habillé. Hein. Oui. Alors, on nous a dit, par contre, venez bien habillé parce que sinon, vous pouvez vous faire recaler. T'as mis ton t-shirt, quoi. Bah, je me suis mis mon locked, forcément, bien habillé, quoi. Ouais, et on doit mettre de l'essence. Du coup, on se faisait chier. Vous voulez un truc? Eh, les gars, je vous fais confiance. Vous connaissez mes goûts. On va voir si vous connaissez vraiment mes goûts. Oh, je sais. Alors, du coup, ça je suis meilleur. Du coup, ça veut dire que si je traîne un peu, c'est toi qui mets l'essence, tu payes l'essence. Ouais. Putain, mais Valouze, t'es vraiment beau gosse. Voilà, avec cette veste, ça change. Là, t'es classe. Je suis un peu un BG, quoi. On dirait un BCBG, beau chic, bon gendre. Ah, tu veux une pièce ou pas? Non, ça ira. Oh putain, Rennes, ils viennent de se manger un but, gros. 3-3. Non, impossible. Je connais tes blagues, Valouze. 3-2. C'est terminé. Let's go, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a acheté des trucs. T'as vu le monde qu'il y a? Oui. C'est impossible d'aller pisser. Du coup, je crois que juste je te cherchais parce que je vais aller pisser contre un arbre. Normalement, c'était pas censé être dans la vidéo. Toi, t'as sorti ta caméra direct, gros. Mais je vais aller pisser contre un arbre. Ok. Sache-le. Et Dobby arrive, là, il fait la queue pour payer. Ok. À tout de suite, hein. Les gars, ce vlog, il ressemblera à rien, mais il sera trop bien quand même. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Oh là là, tu me connais, toi, tu connais. J'ai vu une Red Bull un peu verte foncée. Ça, c'est pour Valouze. Ok. Les nouvelles, on sait pas. Ah oui, j'avoue que je les connais pas, celle-là. Donc ça, c'est pour moi. Okay. Derrière, ça, c'est pour Valouze. Et c'est tout. Mais moi, on t'a rien pris. Mais non, arrêtez. Je te jure, c'était la vanne. Non. Si, je te jure. J'ai peur que ça soit pas bon. Je t'ai pris ça. Oh, je la déteste. Il y a rien d'autre. C'est le seul truc au Nutella que j'aime pas. Il y avait que ça. Ouais. Oh, tu me saoules. Je t'ai pris ça. Oh, ben, c'est la meilleure. C'est la meilleure, les gars. Ça va. Ça, c'est la meilleure, les gars. Mais gros, je croyais qu'on était meilleurs amis, mais c'est pas grave. T'aurais voulu quoi? À la base, c'est ce que je voulais prendre. En vrai, j'avoue que j'ai aucune idée parce que j'ai pas très faim. En fait, je voulais prendre les pots de Nutella où tu trempes des trucs. Ah putain, comme à l'époque quand on était jeune. Et après, j'ai voulu te prendre un livre de fitness pour bikini. Mais Valouze, il m'a dit non, on fait pas ça, ça va rester dans ma caisse. Et après, j'ai voulu te prendre un dessin Scooby-Doo. Il m'a dit bah, prends pas ça, ça va rester dans ma caisse. Ok. Ah, alors, t'en penses quoi de ce choix? J'ai pas du tout ça. C'est le seul truc au Nutella que je déteste. T'es un mytho. Là, je te promets. C'est juste pour nous décevoir. Mais non, c'est vrai, les gars, je vous promets que c'est le truc. Je pense que dans les commentaires, ils vont dire pareil. J'étais en train de me poser la question, les gars, parce que on est invité en VIP, en loge, mais je sais pas réellement ce que ça veut dire loge. Parce que nous, quand on a été invité en VIP par Sorare pour aller voir Bayern Dortmund, on avait accès au backstage et tout. Il y avait un restaurant, etc. Avec boisson à volonté et tout ça. Tu pouvais manger par des chefs cuistots. Mais là, on est dans une loge. Donc on n'aura pas accès à ça peut-être. Je pense qu'on aura peut-être des petits fours quoi. Tu crois on va pas passer parce que Bouzy y a pas la dégaine? Ouais si, j'ai la dégaine les gars. Regardez, j'ai une paire de chaussures qui coûte le prix de tout l'outfit de Valouze. Les cookies Michel Augustin, je te jure c'est vrai, c'est une masterclass. C'est juste 7 euros le cookie quoi. Je sais pas, c'est Dobby qui a payé. Par contre Dobby, sois prêt. C'est pas ta meilleure. Bon c'est qui paye les gars là? Bah à ton avis, qui c'est qui paye là? Bah moi je pense c'est Valouze. Ah oui! Bon les amis, on a regardé un autre classico. Mais aujourd'hui c'est la journée classico. Ouais. Il y a Liverpool City aussi. Petit but de Benzema juste avant de soulever son petit ballon d'or demain. Ah oh là 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 là. Oh l'accélération. Oh l'accélération. Tiens mais l'autre. Wow. La calve dans le vent. Bon les gars. C'est Verratti devant. Ouais c'est Verratti devant. On va être garé. Ah c'est Verratti? Juste là c'est Verratti. Mais... Ouais dans le rétro je le vois. Ah ouais? Vite ma mère c'est Verratti. Attends on a la voiture de Verratti devant nous. Ouais, je te troll.
Ah merde. Ah, il m'a lancé un regard, j'étais mort de rire. Allez les gars, on est parti. Dobby qui s'occupe de trier les places. Ah, Dobby, c'est le daron de la team. C'est carrément le daron. Ah oui, il est là, Lulu. Ah ouais, non, mais Lulu, il s'est mis vraiment en mode... Lulu, là, c'est repas d'affaires. Ah oui, d'accord. C'est... Oh, Lulu, repas d'affaires. Ah ouais, le petit col roulé. Je crois que le col roulé, c'est... ça fait une baraque alors que t'es pas baraque. Tu vas être le premier de la bande à passer, tu vois. Tu vas nous faire un petit peu honte, là. Mais bah non, justement, c'est nous. Ah oui, non, oui, oui, j'avoue. Non, mais oui, on va te faire honte. T'as une anecdote sur Paris? Ouais, je suis venu la première fois pour un match Paris-Rennes. C'était à l'époque, tu sais, Paoletta Liuboya. Il y a eu 2-1 pour Paris. Okay. Et c'est un match où Liuboya se cogne la tête contre le poteau de but. Tu te rappelles de Liuboya? Et Paoletta aussi. Il demande une anecdote. Et on le voit mettre un bandeau, genre, avec la marque du truc, ça faisait le drapeau du Japon. Ah ouais. Je sais pas s'il y en a qui peuvent. Ok. Une belle anecdote, hein, Lucas. On dirait que tu l'as travaillé en entraînement, mais pas du tout. Regardez-moi ça, c'est très joli. Hein. Ah, ça va. Salut, salut Malou. Viens voir ta vidéo avec Vince Caillot, oh, Stade de France. Oh, séance de pénalty, t'as perdu 4-3 à la fin, dommage. Ah ouais, tu connais tout. Ben oui, code créateur Malou, les gars. Là, c'est Salon des Princes, gros. Hein? La salle, elle s'appelle Salon des Princes. Ah oui, donc là, non, on est carrément pas au Salon des Princes. Ok, les gars, on vient de passer les vigiles. Voilà. On va pouvoir rentrer dans le stade. Ah, mais là, j'ai jamais vu ça dans un stade, les gars. Oui, parce que toi, t'as pas encore fait les vibes. Non. Mec, des fois, c'est des trucs de baiser. Ah ouais, ouais. On va au Salon Paoletta, c'est ça, les gars? Paoletta, où est-il? Ah oui, d'accord. Bonsoir. Maman, comment on va faire une bonne dégustation là dans la loge Paoletta? On veut voir ce que tu as acheté là, Lucas. Bah, Tari, il est beau. Mais t'en veux un, toi? Ouais, j'en veux un. Non, les gars, je suis rennais, moi. On peut redescendre, hein, mais... Non, il est beau. Tu le mets là ce soir? Non. Ah, quand ça va commencer? Ah ouais. Et je suis tout nu en dessous de ça. Ah ouais? Monte. Ah ouais. C'est dans une salle d'attente. Ouais. On a dit qu'après c'était deux pistages de PCR là-bas derrière. Non. Sur la chaise là. Dans le pico. Regarde, il y a vraiment une chaise là-bas. Ah oui, ah oui. Genre lui, il va être au coin. On essaie d'aller là-bas pour se faire interviewer. Ça c'est du foie gras ça. Est-ce qu'on peut dire Seb? C'est le même prénom que mon père, donc c'est bon. Vous êtes né en 1970? Non. 65. 75. 73. 14. Oh. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, petit coup de champagne. Un champagne. Bah ouais. C'est bon ça. Mmh. Il faudra, c'est sûr. Ouais. Regarde, regardez ça. De l'eau Paris Saint-Germain. C'est délicieux. Mmh. Un peu écœurant, mais c'est bon. Hein. Donc là, les gars, il y a Michouinox qui vont nous rejoindre. Et après, on a l'équipe au complet. Oh, oh. J'étais en capuche. Il y a un mec qui m'a reconnu, je lui dis il y avait 10 000 mecs autour partout là. Ah, c'était galère. J'allais dire que c'est la première fois, mais non, toi t'es un habitué. Ouais. Toi t'es passé carrément sur le TikTok du PSG. Ouais. Oh ouais. Et tu t'es fait défoncer la gueule. Sur l'équipe de France, je me suis fait saucer. Mec, sur le PSG, je me suis fait défoncer. L'équipe de France, ils ont pris un morceau d'un vlog en Afrique du Sud. Mais c'est lui. Ah mec, c'est improbable. Et où bon, bah les couilles. Ouais, ouais c'est lui. C'est improbable. Ton chien, lui, c'est ta daronne là? Oui, il est avec ma daronne là. Tranquille. Alors, ça se passe? Ouais. Vous savez combien de temps? J'ai vu tout à l'heure, tu lui as pris au pied. Ouais, là je vais apprendre, là il y a eu l'éducateur aujourd'hui là, je vais apprendre au pied, ta place. Ouais, là c'est carré, il est bon, il écoute bien, là il commence à être propre. Mais quand je suis pas là, il chie partout. C'est tout. Ah ouais. Là ma daronne, bah il a déjà chié. Deux minutes après, il a chié. Ah oui, donc ouais, faut vraiment que tu sois avec lui tout le temps. Bah non, faut que je lui apprenne à être... Eh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'est vrai que ça fait longtemps. C'est toi, t'es pas venu, j'ai vu. C'était bien la F4. Ah c'est vrai, t'es pas venu toi. C'était bien. Non, ouais. J'ai pas t'as suivi un peu. Ouais, j'ai regardé. C'était exceptionnel. Hein. Ah, j'avais... C'est... Ça avait l'air d'être stylé. Alors, tu suis quelque chose? Ah, l'Italie. Petit anglais. Yeah, petit anglais. But it's okay, I understand. You make a foreign, I'm speaking English. I'm good English. You know. T'as vu, j'ai percé dans le Twitter US. Je me fais tuer. Ils ont pas extrait du blog où ils mangent avec André en tête à tête. Et ça fait 150 000 likes aux US. C'est pas un Twitter en mode c'est bien ce qu'il a fait. C'est en mode ouais, parce qu'en fait, ils préjugent, ils pensent que les meufs elles aiment pas les mangas. Et ils repris l'extrait qui date d'un an et il se fait dézinguer. Ouais, après, ils ont marqué. Ouais, on s'en bat les couilles. Mais tu me tues de rire. Et en plus, quand tu tiens ton téléphone, on dirait un boomer. J'en ai trop marre de mon téléphone. On dirait le daron à Noël, tu sais, qui veut éparer. Comme ça. Tiens ma gueule. Oh là là, le petit coca. Chill. On fout partout là. Oh là 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 là. Bah là, c'est PSG Real Madrid. PSG. Bah oui, PSG Real. Quand? Bah là. Ouais. Non, PSG OM, du coup, c'est Lyon.
C'est Mion. Mion. Dis-moi un joueur de Marseille. Facile. Payet. Ouais. Je connais pas d'autres. Quel connard. Hein, si, et trois joueurs de Paris. Cavani. Je rigole. Ouais. Mbappé. Ok, vas-y, c'est bon. Alors, on va dire le trio. Kimpembe. Oh. Hakimi. Danilo. Oh! Il a sorti Danilo! Du PSG avant 2017. Ouais, Zlatan Ibrahimovic, ouais, Cavani et David Beckham. Oh non! Ah, 2017, c'est con, c'est bon? Bah, c'était avant 2017, ah, mais que aurait pu dire Pauleta? Putain, minoré. Pauleta, c'est Péfut. Son blase, Péfut. Oui! Il pas la ref? Si, mais. Il avait pas la ref! Mais il s'appelle comme ça ou pas? Non, mais c'est juste que Pauleta, avant Péfut, c'est un joueur de Paris, quoi. T'as vu l'iPhone 14 pour moi, j'ai tapé avec. C'est clair, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est trop d'art. Ouais. Moi, je mets pas le mode. Moi, j'ai fait tomber une fois avec la coque Apple. Hein. Une fois, je l'ai fait tomber. Hein. Oh la vache. J'ai Apple Care. Non, mais là, tu l'as détruit. Tu leur donnes. Mais ouais, mais avec ton Apple Care à toi. Mais tu l'avais de quand? Ouais. Est-ce que vous voulez une petite photo? Allez. La fofo, la toto. La photo. Merci à vous. Mardi, JMK il vient avec la e-tron, je vais la tester. Non, on prend pas ça. Celle que t'as testée. Oui, il l'a testée. Tu sais qu'est-ce qu'il peut, elle est incroyable, je vais dire. Bah, ça accélère de fou malade, mais t'as pas le bruit. Non, mais tu sais que je vais me faire un kiff, je vais craquer. 2023, je vais craquer. Crack, mec, t'as 3 millions sur le compte. Non, j'ai pas 3 millions. 2. Non, même pas, j'ai pas. J'ai tout mis dans ma maison. Ah merde. Ah oui, t'as fait un apport de 1 million, quoi. T'as un garage à ta maison? Ouais. Achète une lambeau. Hein? Non, en vrai, je mettrais pas des sommes comme ça dans une voiture. Mais 100K dans une voiture. Oh, ça sert à quoi? Elle va perdre 30K en un an. Mais non, pas d'impro. Mais jamais si t'achètes une voiture, elle perd la valeur. Non, non, non. Si tu veux acheter une voiture, ou même à partir du moment où tu l'as achetée, elle prend 20 000, Garigère. Tu l'achètes, ouais, mais prend 20 000. C'est quoi ça? Garigère. Non, mais je veux un truc à la classe quand même. Ouais, non, mais là. Regarde, si j'achète une Audi, si j'achète une BM, dans tous les cas, je perds l'argent. Mais prends une Porsche. Une Porsche. Prends une Porsche. Mais ça coûte 250 000 euros. Pas forcément. La GTRS là que j'ai fait avec. Ta gueule, toi. Une Taycan. Si je prends, c'est la GT là que j'ai fait avec. Moi je prends pas la Panamera électrique. J'aime pas la Panamera, je veux pas. Non, j'aime pas l'électrique. Mais vas-y, je te vends ma M2. Elle est d'art, mais il y a que deux places. Moi je veux un truc où on peut être 5. Il y a 4 places. Non, mais c'est ça, on veut avoir une M2. Il y a que 3 portes. Non, prends un truc plus grand. Prends la M3 Touring. M3 Touring. Non, gros, t'es marre. Touring, tu perds pas d'argent. Touring, c'est quoi quand il y a l'aileron? C'est la M3, mais elle est en break. Ah non, non, en mode RS6. Ah non, non. Ah, t'aimes pas? Oui. Soit je prends un SQ3. Oh, ça j'aime. Oh la team. Oh là là là. M3 2020, c'est ça, où ouais. Je la refais. Ah, mais M3, j'ai 80 avant lui, il est plus là-dedans. Je sais pas ouais, si il est aussi la F80. La F80. Elle est trop d'accord. F80. C'est celle de Bouzy, mais en 2020. Mais il veut l'intérieur comme t'as, toi. Ouais, je veux l'intérieur. Mais il y a que pas grand chose qui change. Il y a rien qui change. Bah, j'ai regardé, il y a quand même, ça change un peu. Il y a quoi? Pas énormément. Le volant. Ah, mais en vrai, j'ai envie de me faire un kiff, mais là, je me dis, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans une voiture tout de suite. Ouais, bah attends un peu. Est-ce que c'est un good mood? Je vends ma 208. Ouais. Je prends une petite merde Zoé électrique. Ça, si je roule souvent, je prends la électrique. Donc okay. Ça pollue pas forcément. Ouais. Et je prends une voiture de baiser que je roule que une fois de temps en temps. Oui, mais pas une Zoé quoi. Non, faut quand même de l'autonomie. Il faut quand même un truc qui est bien, qui est solide et tout. Mais oui, ça peut être good move. Du coup, une Taycan. Non. Non, plus une voiture classique. Si je dois faire des tournages, je prends l'électrique. Une voiture qui consomme pas beaucoup. Une voiture où t'es bien dedans, ça bombarde pas, mais c'est bien. Conseillez-moi les gars, qu'est-ce que je dois faire comme move? Le move le plus. Moi, une Dacia Sandero. Dacia Sandero, c'est électrique. C'est la voiture la plus économique du monde. Et attends, hydraulique. Rien à voir. Hydraulique, on peut prendre des voitures hydrauliques. Il y a des stations hydrauliques. Ça veut dire à l'eau, ça. Hydraulique, ça veut dire moteur. Hydrogène, à l'hydrogène. Ah. La e-tron là, petit skateboard. La e-tron Audi, faut que j'essaye. Bah ouais. Mais le problème, c'est que c'est une voiture. C'est une berline quoi, c'est balèze. Hein. Tu vas te mettre dans un mur. Et tu tapes un mur, celle-là, elle coûte 200 000 balles. J'ai hâte de voir ta réaction quand tu vas accélérer. Des nouvelles du Mich Dob. Pronostic, est-ce qu'il arrive avant ou après la mi-temps? Il arrive pas. Vous voulez savoir vraiment ce qu'il a dit ou pas? Est-ce que je peux le dire avec Chucky? Non, ça. Toi, t'aurais pu nous sortir ça. Est-ce que Ice peut venir? Ouais, mais je me suis dit, je l'amène, après je dis. Non, il va pas kiffer. Il va pas venir, de toute façon, il peut pas venir. Hein. Mais je l'emmène partout. Hein. Il a pris le train la dernière fois, il a dormi 5 heures dans le train, il a cassé les couilles à personne. En fait, quand il est avec toi, il est rassuré et du coup, il est tranquille. Ouais, il est tranquille. Mais vous l'avez jamais vu, vous? Bah non. Bah non, j'ai faut que je le ramène. Que tu le fasses. Mais viens, Rennes, on se fait un arobèze ensemble déjà. Oh! C'est du bar ça? C'est du bar. Hey, est-ce qu'on peut dire que c'est un barman? Non, non.
Let's go. Thank you. Pardon, merci. Mais parce qu'il y en a, il parle anglais, il y en a, il parle. T'aimes bien le poisson? Oui. Bah tu as bien aimé. Bon bah top. Valouze, je sens que ça va pas conduire ce soir. Oh bah non. Déjà, j'ai pas conduit à l'aller. Tu conduiras encore moins au retour. Salut Patricia. Allô, Patricia, ça va? Ça va Patricia? Inox fait tourner le bédo. On l'a tous fait celle-là. On est sur un pur là maintenant. C'est l'autre, c'est le grand gueule. Ouais. Je suis en train de l'habituer à que je sois pas là. Pile quand je suis pas là, il pisse partout, il pisse partout et il attend devant la porte que je rentre. Regarde là, il, ça fait une heure, il est devant la porte, assis. Ça fait chier. Bah ça, ça fait partie de l'éducation. Ah ouais. Quand t'es pas là, il est avec ma mère, hein. Mais ma mère, elle lui parle, il s'en bat les couilles. Il est assis devant la porte, il attend. Concours de pronostic, les amis. Concours de pronostic, vous l'avez fait, les gars? Vas-y, fais-le. Il y a un maillot dédicacé et un magnum de champagne. Ok. 2-0 à la mi-temps et 2-0 fin de match. Et dernier but, 41e minute. Et le buteur? Il y avait pas. Ah, juste 2-0 toi. Enfin, faut de pronostiquer mi-temps, fin de match et derniers buts. Et toi? Moi j'ai mis 2-0 mi-temps, 3-1 deuxième mi-temps et dernier but à la 64e. Ok. Inox, plausible. Tu veux le faire? Qui sera le vainqueur du match? En fait, on va mettre PSG. Quel sera le score à la mi-temps? Moi je dis 1-0 PSG. C'est possible ou pas? Oui. Le score final 2-1. 2-1 c'est trop basique en fait. C'est pas original. C'est quoi 1-0? 1-0 je mets. Oh c'est nul si 1-0. 1-0 non, vas-y, on veut jouer un match. Allez. C'est pas parce que tu mets ça qu'il va vraiment se passer ça. On veut un 4-0 nous. Je m'en bats les couilles, y'a pas de cote là les gars. À quelle minute sera marqué le but de match? 69e. À quelle minute? 70. Vas-y 70. On va vibrer la 70e. Let's go. Allez c'est parti les amis. Direction le stade. Je prends des nouvelles du M. Voilà. Dans 15 minutes. Ah tu peux peut-être arriver avant la. Oh Michou arrive dans 15 minutes. C'est Tipamo ça les gars. Mama il sera pas là. Là 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 là. Il est 15 minutes, c'est à l'heure. Ouais il est à l'heure. Ah ouais on est bien là. Oh mais non Vince Sky le boss. Comment ça va nickel? T'as envie de débarquer toi? Nivea Men. Et toi là c'est chez toi là? Ouais je crois que tu viens souvent. Mec c'est la première fois que je viens. Ah c'est la première fois? Première fois de toute ma vie. Le mec il a joué sur la pelouse du Stade de France avant d'aller dans les tribunes. C'est pas normal. Je te jure. Et là du coup ça se passe comment? Les ultras ils sont là-bas? Alors en fait ouais à l'époque il y avait les deux tribunes qui à l'époque quand j'étais adolescent ça criait dans les deux. Ah ouais. Après il y a eu des petites histoires et tout. Bref maintenant c'est Auteuil à gauche. Okay. Là-bas ça crie tout le match. Et là c'est de temps en temps quoi. C'est Boulogne. Ok. Okay. Okay. C'est quoi ton pronom? Moi 3. Okay. Paris. D'accord. Mais là l'OM ils ont intérêt de gagner parce qu'ils sont quand même à égalité avec le 3-4. Ça joue pas à grand chose, ouais, c'est vrai. Et après là, ils ont perdu chez eux face à Ajaccio. Ouais. Ça c'est chaud, ouais. C'est vraiment un gros match, c'est beaucoup de buts surtout parce que souvent c'est la journée et PSGM c'était pas fou. J'espère que ça va être bien putain. Ah j'espère aussi. Un beau classico. Un 3 ce serait cool. Oh là là ouais. Si tu viens, t'es obligé de voir un match. Bah ouais, je suis obligé. Bon match, ça date à l'heure à la mi-temps. À toi aussi, vas-y. Vas-y. Les gars, c'est quoi ce bordel? Mais t'as vu ça? Attends quoi? Ça par contre j'ai jamais mal les ultras. Les replays les gars, c'est la première fois que je vois ça de ma vie, c'est incroyable. Oh. Ah. Allez, fais le tour, viens là, Mich. Mich, t'es là. T'es là, là. Bah là, c'est plus un vent, là. C'est une tornade, là. Ça va? C'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie, mec. Je me suis battu pour venir ici. Ils m'ont fait jongler. Bon, c'est bon, t'es là, maintenant. Il n'y a pas eu de but. 30e minute. Ouais, 30e minute. T'as rien loupé. En plus, on a demandé pour le coup d'envoi un peu plus tard, tant que t'arrives. Je voulais pas. Je vais venir quand je viens voir un match au stade de France. J'ai vu tout le monde crier donc. Du coup tu cries. Wow, arbitre. Penalty. T'as là ou pire si tu veux Mich. Mais ça, c'est incroyable. Ouais, mais c'est incroyable. J'ai jamais vu ça d'habitude. Ah ouais, mais parce qu'on est en VIP. D'habitude, j'ai mes jumelles, je suis comme ça. C'est qui a le ballon? Ça passe pas à la télé, ça. Oh, mais non. Romain dessine achevé. Oh, il fait chaud. Oh, le ballon, il est parti là, au Stade de France.
Mais attends, mais elle est insane la loge. Mec, regarde comment on va se régaler là. Tu l'as bien serré. C'est bon? T'es bien toi? Ah merde, je fais pas les choses. Oh, mais incroyable ça! Par contre, oui, il faut attendre. Comment je suis beau sur la photo? On va rajouter un montage. Mais genre, il y a eu des photos. Si elle repasse, on refait, mais là, je pense. Mais dis pas que vous êtes allé au bord du terrain. Non, on a rien fait de. Tu l'as pris avec toi? On peut tous en prendre une. Hein. Ça reprend là? Let's go! Ça reprend là? Ah ouais! Oh! Un petit casse-les-couilles. Toi, t'es un hamster, toi, en fait. Un peu, ouais. Mais les gars, la mi-temps, elle est passée tellement vite. Oui. Voilà. Ah, putain. Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est... Oh, non. La plus grande dans le sofa, tu la mets, frère. Il est pas chi. Non mais frère, bah on... oh, il a même pas touché. T'es pas comment il est rouge. Il a pas touché. Il a vraiment abusé. Oh, le rouge pas mérité. Il peut enlever le rouge après, mais... Bien joué Neymar, la simulation. Neymar le goat. On demande la VAR, la valouse, non? Bah franchement, moi je trouve qu'il y a excellent engagement. Regarde le laser sur lui. Mais je t'ai craché sur l'écran, toi. Mais frère, bien sûr, j'ai craché. J'aimerais bien voir le replay encore une fois là, parce qu'on n'est pas sûr. Ouais, je crois vraiment qu'il y a rien. Allez, ça continue, 10 contre 11 alors qu'il perd 1-0, ça va être très compliqué là. Ouais. Oh, le pénalty! Pénalty, monsieur l'arbitre là! Non, deuxième rouge! Il y a mal. Ouais, pénalty, frère. On a eu par là, il y a Mbappé. Ça y est, frère, ils ont un problème de pénalty. Allez, Mbappé! Celle-là, tu les aimes bien, celle-là. Dommage. Messi, casse les couilles. J'ai une idée de TikTok, Messi. Dire que Messi, c'est un gars comme les autres, en vrai. Oui. Non, mais en vrai. Oui. Et on est tous trop fans. On en est marre, Michou. J'ai trop le seum, Neymar, il sort. Ah ouais. Il se préserve pour la Coupe du Monde. Moi, je suis venu pour Neymar et Messi, on peut rentrer. On peut rentrer, ouais. Non, moi, il y a Mbappé, les gars. Il reste Mbappé. Moi je pars une minute avant, comme ça il n'y a pas la foule de baiser. Vas-y, ça marche. C'était un bon match. Vas-y, ma gueule. Mais j'ai un but à la dernière minute. Et comme tout le monde part une minute avant, il n'a pas d'avance. Non, mais regarde, il n'y a pas grand monde. La dernière fois avec Babouzi et Dobby, on est parti à 90. But de Martin Terrier, on était venu juste pour voir son but. Arrête. Il m'a pris à 90. Ouais. T'as dit, on était venu juste pour voir son but en mode il était prévu. Ouais. Non, on était loin. Ouais. Donc là, tu es en train de me dire qu'il va y avoir un but, Babouzi. Peut-être. C'est un peu un signe vu qu'on reste. Bon les amis, ça va être la fin du match, il reste une minute de temps additionnel. C'est passé beaucoup trop vite. Dans l'ensemble, match pas ouf. C'est quand même un classico, donc c'est beau. Ça reste... L'ambiance est présente. Ouais. Petite victoire, mais ça reste 3 points. Il y a des pros de Marseille qui vont nous détester. Les gars, qu'on soit pour Marseille, pour Paris, on est tous français, c'est un super match, et voilà. Tu te régales, Mich? Mais ça, c'est de la... C'est quoi, c'est Pina Colada, ça s'appelle? Non. Pina Colada. Pina Colada. Panacota, je crois. Oui. Tu fais quoi, fin du mois? Tahiti. Je vais faire la fameuse cabane. Oh, j'ai 8 ans. Oh putain, mais là, j'ai ma miniature. Comment ça, miniature? J'ai mon titre. Mich va faire la cabane dans la forêt. Non, les gens, ils cliquent. C'est un match de. Attends, tu veux pas. Non, meilleur. Tahiti, frère. Non, mais je sais, mais comment tu vas te. Alors là, je t'avoue, j'ai un pro. T'as un pro avec toi? Non, improvisé. Malheureusement. Malheureusement. Mais le problème, c'est que les gens, ils s'attendent trop à ce que ça soit un truc de ouf. Alors qu'en soi. Il y a un mec là qui est là? Frère, j'ai rien fait, moi, avec mes mains. C'est ça qui est bien. Le cadre, ouais, le cadre et tout, ça va être insane. Mais frère, la cabane, le résultat final, je garantis rien. Ouais. Ça va être une cabane dans la forêt comme les autres. En fait, tu devrais prendre. J'aurais dû faire ça en France. En fait, tu devrais prendre un cours d'un gars spécialisé en France. Et après, tu reproduis ça là-bas.
pas tout seul. Donc, je suis avec un youtubeur spécialisé, mais ouais, à Tahiti. En vrai, il serait chaud, mais le problème, c'est que tu pars dans 10 jours. T'as tout quoi, Lucas? Je dis, regarde la photo, maman, le paquet qu'il a, Dobby. Ah ouais, mais putain. Mais Dobby, je l'ai déjà vu, frère, elle a une grosse tub de ouf. Quoi? Dobby? Tu l'as déjà vu en complète ou à travers un vêtement? En. Les gars, on répond ça en fait. Je crois que c'est en vrai. Hein. Ça travaille, c'est business. Ouais. C'est le brainstorming et tout. D'accord, ok. Les vêtements, c'est futile. En fait, vous n'êtes pas que salarié en fait. Le brainstorming, c'est tout nul. Ah oui, d'accord. Donc, les idées fusent. Il n'y a pas que les idées qui fusent. Oh, la bidouam, j'avais ça en tête. Et je me suis dit, je vais pas le dire, c'est trop beau. Je suis pas assez beau pour le dire. Ouais, ouais. Et tu l'as dit. J'avais exactement la même phrase. Bon les amis, c'est la fin de cette soirée inoubliable. Oubliable, première mais soirée au prince. Au prince. Franchement, je pense que c'est peut-être mieux que Clef 4. Non, t'es fou quoi. Oh là 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 là, non mais attendez, on est des joueurs les gars. Oh, oh ouais. On en profite, Yamiche. Oh, Yamiche. On en profite, regarde. Ah, merci, Mich, salut. Merci, Mich. Ah, Mich, salut, hein, Mich. Mich l'a pas. Bon les gars, fin de la soirée. 3 heures de route pour rentrer. Merci encore à Valouzin, c'est grâce à lui. Merci Sorar. Qu'est-ce qu'on a oh eu dans le colis? Mais putain, mais on a eu un joli cadeau, attention. Des petites chaussures. Je pense que c'est des verres. Attention. Oh, oh gros shot. Hein. Gros shot, ouais. Bah c'est sympa, tu vois, ça change des mugs. Ok, bah merci beaucoup. Hein. Les boss. Et pas la grosse ch**, ta mère. Bref, les amis, des bisous, je vous aime très fort. Je vous aime. Ciao.